On a commencé la semaine dernière. Pas mal, hein? Très bien. L'événement se déroule merveilleusement bien. Nous avons un nouveau sponsor cette année, c'est le soleil. Les précédentes, et je pense que les gens sont ravis. Et par conséquent, je le suis aussi. Voilà. Merci, Jacques. Tu vas jouer où le match avec Henri Laurent ? Là, sur le... D'accord. Julie ! Attends, il y a un mot, il y a un mot. Ah oui, c'est ça. Allez. Voilà ! Camille ! Regarde le soleil plutôt dans la... C'était de l'autre côté, les noms. Regarde. Voilà. J'ai senti un truc dur à ma bouche droite. C'est un petit peu mal. Elle est joueuse, cette chère-là, elle est joueuse. Batteur qui est en retard. C'est qui rénove. Merci. Alors c'est ça, tu te prépares. Hé, on fait pas du 2 contre 1 là, c'est bon. Le tirage au sort ayant... Se confondent pour vous remercier de votre participation à cette fabuleuse raison. Et nous sommes devenus une association de façon à valoriser et du Garden Tennis Club. René Lacoste et Suzanne Langlaine ont incarné le style des années 20
Ils ont marqué leur temps par leur élégance, leur intelligence, la beauté de leurs gestes et leur allure. Si vous n'êtes pas dans les allées du Verlaine aujourd'hui, vous en êtes les descendants. Et vous avez rivalisé de classe et d'élégance pour faire revivre une époque que l'on disait belle. Mes remerciements iront à nos sponsors. Ils sont toujours fidèles à ce rendez-vous. Sans eux, cet événement ne pourrait avoir lieu. Ne m'en veuillez pas si je ne cite pas tout le monde, mais leurs noms figurent sur les panneaux à l'entrée. Je remercie néanmoins tout particulièrement Pascal Collet pour, de la Maison Lacoste pour sa participation, son implication personnelle. Sans lui, la journée Belle Époque n'aurait pas la même saveur. Je remercie ses ambassadeurs que je vais appeler et qui vont venir me rejoindre. Arnaud Lemaire. Charlotte Bousquet. David Bréco. Stéphane Plaza. À Julie, qui nous a fait le plaisir de venir pour la première fois pour cette journée de l'époque. Merci Julie, merci à vous. Mes amis, collègues du conseil municipal, qui sont venus nous soutenir cet après-midi. Les services techniques, qui ont fait un travail remarquable. Le service communication également. Et Monsieur le maire, pour leur soutien. Je remercie toute l'équipe de bénévoles. Ils sont habillés en rouge. Vous pouvez les applaudir très fort. Et si vous le voulez bien, je vous donne. Je remercie également l'équipe des jeunes. Ils ont appris ainsi à connaître la fabuleuse histoire de René Lacoste. Et si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous et je vous dis à l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vais demander maintenant à monsieur le maire de vous adresser quelques mots. Merci vraiment. Merci, je suis heureux de revoir à la Baule. Nous étions un peu plus connus dans les années 95. Je voudrais saluer Henri Lecomte, puis je voudrais saluer tous ceux, tous nos invités qui participent à cette belle journée que vous avez organisée, comme d'habitude, avec beaucoup de talent. Alors, il faut dire que vous êtes aussi, j'avais à la fois secrétaire général du Garden et du Sporting, mais vous êtes aussi conseillère municipale à la Baule. Et puis vous avez l'occasion comme ça de vous occuper de beaucoup de choses. Alors le Garden et Sporting appartiennent à la commune, l'un depuis 1950, l'autre depuis 1974. Nous avons toujours essayé de faire progresser ces deux grands terrains qui étaient privés autrefois. Et il y a encore, monsieur le président est par là, beaucoup de projets je crois en cours, en tout cas il m'en a parlé. Et nous allons essayer de l'aider à les réaliser pour que le tennis continue à vivre. Et une des meilleures opérations, ça a été les championnats du monde que nous avons reçus cette année, senior. Bon, mais on est senior à 50 ans. Et venant de 40 pays, d'un petit peu partout, ça a été au mois de juin dernier un énorme succès. Alors, cette journée symbolise le bon goût, l'art de vivre à la Baule.
Et cerise sur le gâteau, évidemment, que ce soit le conseiller municipal qui l'organise, eh bien, ça ne peut être qu'un succès. Merci à toutes et à tous.